Télécable Satellite Hebdo vous présente Level One. Bonsoir, moi c'est Marcus. Non, vous n'êtes pas sur LC Live, vous êtes bien sur Game One pour le test du jeu Headhunter sur Dreamcast qui commence par un super petit, des fausses news en fait, comme sur les télés américaines et même les télés françaises. Nous aussi, on a nos poupées Barbie et nos vendeurs d'aspirateurs. Ben voilà, regardez comment ils sont, tout beaux, tout cravatés. Et Headhunter, c'est assez génial parce que ça se moque pas mal, je trouve, de tout le système américain qu'on aime pas avec leur drapeau patriotique et tout ça. Ils mettent la barre assez haut, ils chargent pas mal, c'est très caricatural et vraiment très très drôle. Un peu comme Robocop, je sais pas si vous vous souvenez des flashs d'infos dans Robocop, ou alors Starship Trooper avec les trucs de la Fédération. C'était vraiment rigolo. Donc voilà, ils ont repris un peu le même principe. Marcus, est-ce que tu l'as tué? Est-ce que je l'ai tué? Je suis désolé, c'est vraiment des private jokes à chez nous à Game One. Faut que moi, je vous explique comme ça, on vous met dans la confidence. C'est passé au zapping, c'est dans Chasse et Pêche. Il y a un chasseur qui tire un peu au hasard dans les fourrés. Et après, il y a un grand silence et il est là dans les bois et il fait « Est-ce que je l'ai tué ?» En parlant du canard où j'ai ma casse, sur qui il tirait. Ça nous fait beaucoup rire à Game One. Et donc, ça s'applique bien à l'idée d'un chasseur de tête puisqu'on est un gars qui est amnésique au début du jeu, qui se souvient pas qu'il est chasseur de primes en fait. Et il va le découvrir tout au long de l'aventure. Et ça va donc être un truc avec un peu d'aventure, beaucoup d'action, on pourra même faire de la moto, plein de trucs. Vous allez voir ça assez vite. J'adore ces petits flashs. Allez, j'appuie tout de suite. Regardez, c'est lui le héros. Super cool. Un peu façon de John Carpenter, les films genre New York 1997 et tout ça. Le gars très très cool, avec beaucoup de second degré, beaucoup de critiques de la société américaine. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ils ont des bons côtés les Américains, mais ils en ont aussi pas mal de mauvais. Et c'est bien de mettre un peu le doigt dessus de temps en temps. Et eux, ils y vont vraiment à fond, carrément, vous verrez tout à l'heure. Je vais passer le niveau d'entraînement, on va commencer dans le vif du sujet direct. Vous allez voir qu'il y a des fausses pubs, il y a des faux flashs d'infos. Tiens, bah voilà, est-ce que vous pouvez vous permettre de ne pas avoir... Avez-vous les moyens de ne pas avoir un joli sourire? Avec des dents, des fausses dents. Il y a des pubs pour biotech. Bah, c'est ça qui est une entreprise de technologie, tout ça. Et on vous dit, le gars dit, l'accident m'a pris mes jambes, biotech me les a redonnés. Donc voilà, c'est des fausses pubs assez drôles. C'est un univers très noir, très sombre, où donc vous êtes chasseur de primes, vous essayez de remettre des mecs en tôle, et quand les types vont en tôle et qu'ils n'ont pas les moyens de payer la caution, on leur prélève un organe pour payer la caution. C'est vraiment sordide et très très drôle, très caricatural. Moi j'adore ce genre d'univers, c'est un petit peu futuriste aussi, donc vraiment très très bien. Et vous allez voir que le jeu est excellent. Oula, j'ai du mal aujourd'hui, il faut dire que je suis malade, je m'excuse à l'avance. J'ai le nez un peu bouché, je coule du nez, je me mouche, je tousse. Donc ça risque d'être un peu dur ce level 1, mais tant pis. Et puis donc voilà, l'idée c'est que bah, c'est un très très bon jeu sur Dreamcast, vraiment. Regardez, c'est tout en 3D, on peut se promener un petit peu où on veut. Le héros est vachement bien foutu. Et donc tout de suite ça commence, il s'est réveillé, il est un peu amnésique. Et on lui tire dessus, heureusement il a récupéré un flingue. On va pouvoir tirer sur les méchants en se mettant à l'abri à chaque fois. Vous avez vu, ça c'est super bien foutu. On peut se mettre sur le côté, on peut même s'accroupir derrière les caisses, etc. Histoire de ne pas se faire avoir par les méchants. Voilà, là je suis passé un peu... Ouh là là, vite, planquons-nous. Donc le truc c'est à chaque fois bien se planquer, recharger son flingue, et normalement ça devrait plutôt bien se passer. J'aime bien ce principe de se planquer, de recharger, etc. D'attendre que les autres aient rechargé. Regardez, oh, il croyait que je l'avais pas vu, tiens. C'est super, je trouve, cette façon de se planquer. Allez, recharge, parce que sinon, on va pouvoir y aller. Voilà. Ah, il s'est planqué. Viens, mon petit. Je t'attends. Voilà. Donc, on peut, on peut sélectionner une cible. On peut verrouiller une cible automatiquement. Le petit problème, c'est que de temps en temps, il ne verrouille pas forcément la cible tout seul. C'est-à-dire, s'il y a un gars au beau milieu du couloir, il ne va pas forcément le voir. Bon, s'il est au milieu du couloir, ça devrait bien se passer. Par contre, s'il est sur le côté du couloir, il ne va pas verrouiller la cible automatiquement, comme dans des jeux comme Siphon Filter ou ce genre de trucs. Donc ça, c'est un peu troublant, il faut s'y faire. Disons qu'il faut avoir un gars dans son champ de vision pour pouvoir le verrouiller en tant que cible, parce qu'il ne le fera pas forcément de lui-même, le héros. Et le problème, c'est que la caméra ne se place pas toujours très bien, donc vous n'avez pas toujours forcément les méchants dans votre champ de vision. Là, il y a deux cibles, je peux alterner entre mes deux cibles. Vous voyez, là, je peux tirer sur le gars qui est derrière ou sur le gars qui est devant. Il suffit juste d'appuyer sur la petite touche jaune et ça se fait tout seul. Voilà, là, il n'y a plus personne. C'est flippant, cette ambiance, hein.
Je vois la porte au fond du couloir, j'y suis presque. Enfin pouvoir sortir de là. Voilà, super génial. Donc le truc c'est, il est amnésique, il se réveille. En fait, il va vite faire la connaissance de gens qui font partie de l'ACN, c'est l'organisation qu'on a vue tout à l'heure et qui en fait se charge de la sécurité de manière privée puisque tout est privatisé dans cette espèce de monde infernal et futuriste. Donc c'est une espèce de ministre privé et lui en faisait partie mais il s'en souvient pas. Donc la mémoire va vous revenir petit à petit et vous allez comprendre que vous êtes un chasseur de primes, que vous savez tuer des gens plutôt bien avec tout un tas de flingues et de gadgets électroniques. J'en profite pour vous dire au passage, on n'a pas mis petit accord parental souhaitable, on n'a pas mis la petite rondelle accord parental souhaitable parce que dans ce level 1 normalement on verra pas trop de choses saignantes etc. Mais c'est quand même plutôt à recommander aux ados et aux adultes parce que c'est quand même assez violent mine de rien, parfois assez réaliste, il y a des types qui crament et tout ça. Voilà, donc dans ce level 1 on verra pas beaucoup de violence, ou très peu, enfin ou pas plus que d'habitude disons. Mais faut savoir que voilà, ça s'adresse plutôt aux adultes, puis les références et les petites critiques, tout ça, elles sont effectivement plus destiné aux adultes et aux ados qu'aux plus petits. Voilà, regardez, il se réveille, il va y avoir une chouette infirmière qui va venir le voir. Et après la chouette infirmière, une super blonde qui est en fait la fille du fondateur de cette espèce d'agence de sécurité qui va venir l'engager et lui demander de venger son père qui a été tué par la mafia. Donc voilà, on va se mettre assez vite sur les traces de la mafia. Bon, j'attends juste pour qu'on voit l'infirmière un petit peu, parce que je vous trouve pas mal, hein, donc pour le plaisir des yeux, voilà. Regardez, pas mal, hein. C'est plaisir, des vrais infirmières sont pas comme ça, si vous j'ai remarqué. Moi, quand j'ai été opéré de la l'appendicite, c'est une grosse avec de la moustache. C'est pas une belle blague comme ça. Bon, allez, je passe les scènes cinématiques. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Voilà. Vous allez voir qu'on peut faire de la moto de temps en temps. Je crois que la prochaine séquence, c'est de la moto. Ah, encore une fausse pub. X-Must Power Drink. Donc, vous voyez les boissons qui vendent, ce que ça fait. Ça fait des bras comme ça. Sauf que moi, j'en ai pas bu du Power Drink, donc ça fait un bras tout mou. Ah, voilà ma patronne. Regardez comme elle est jolie. On va lui parler un peu. Pour le moment, elle veut pas trop me parler. Elle m'a en fait demandé de faire un peu le tour de la propriété. Donc ça, c'est la propriété de mon ancien patron. Pour essayer de trouver des choses qui vont me faire revenir à la mémoire. Regardez, d'ailleurs, ça rapporte hein, d'être patron d'une agence de sécurité. Il a une petite piscine sympatouille. Là, il y a des documents sur le bar. Je vais les regarder aussi. Donc il faut que je me promène un peu dans la propriété pour essayer de retrouver la mémoire en regardant divers bouquins, des tableaux, des choses. En face, il y a un portrait de son papa, regardez. Alan Sharp. Et bon. Alan Sharp, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est le méchant, le traître. Dans tous ces jeux, il y a toujours un traître. Et là, je suis sûr que c'est lui. J'ai pas joué beaucoup, hein. J'ai joué à peu près une heure pour faire ce level 1, pour me préparer. Et vraiment, je sens déjà que ça va être lui le méchant. Alors, un truc pas mal, regardez, pour savoir s'il y a des choses à regarder ou pas, il y a des petites flèches, tout simplement, sur les objets qui sont manipulables ou qui sont observables. Donc, regardez, je tourne un peu la tête. Ah, évidemment, elles n'apparaissent pas les petites flèches au moment où je le dis. Normalement, il y en a sur ce gros bouquin-là, voilà. Donc, elle vous explique comment a été fondée l'ACNE, ACN, je ne sais plus ce que c'est, agence de je sais pas quoi, je me souviens plus le nom exactement. En tout cas, c'est une agence de sécurité. Voilà, on va ouvrir là. Là, je ne peux pas encore ouvrir. Vous avez vu que le plan se formait au fur et à mesure, en haut à droite, ça permet de bien se repérer. Bon, c'est pas le moment de faire du sport. Mais on va quand même explorer la salle de gym. Ah, un peu d'adrénaline, ça sert pour pendant les combats, en fait. Voilà, je vais en récupérer. Ça fera pas de mal, un petit médicament, vu l'état où je suis aujourd'hui. Et oui, que voulez-vous, même malade, on m'oblige à faire des level 1. Tant pis, je mourrai sur scène s'il le faut. Même à moitié mort, je continuerai. The show must go on, comme on dit chez nous. Bon, voilà, je crois que j'ai à peu près regardé tout ce qu'il fallait regarder dans le manoir. On va aller reparler à cette charmante blonde. À forte poitrine, qui plus est. Examiner encore un peu les environs. Bah, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est ça le truc, c'est que vous savez, voilà, le cahier, regardez, avec les petites flèches sur le cahier. Voilà, je vais pas regarder ça. Voilà, un petit livre. Bon, très bien. J'espère que j'ai tout regardé. Ouais, vous savez comment c'est, en fait, il faut regarder un certain nombre d'objets et après, ça déclenche. Voilà, ça déclenche une scène cinématique. Mais pas tant que vous n'avez pas tout regardé. Voilà, ça, j'ai regardé tout à l'heure. Oui, je crois bien. Non. Et voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être attendre un petit peu aussi. Ah, évidemment, je le fais chez moi, ça marche du premier coup. Et ici, Marcus, ça marche pas du premier coup. Oui, mon Pierre Boulet. Je crois qu'il y a vraiment deux documents sur la table basse. Sur la table basse? Oui. Bah oui, le gros cahier et un autre truc, regarde. Voilà. Donc j'ai regardé le gros livre. Voilà. Mais j'ai regardé tout à l'heure, on l'a déjà non, vu non, cette scène. C'est le cahier à côté que t'as vu. Ah non. Et là, c'est le manuel de l'agent. Bah ouais, mais c'est ce que j'ai tu fait. Tu veux que je fasse un retour en arrière pour voir? Ah, on regardera, voilà. Mais je prends les paris. Non, sérieusement, Pierre, je l'ai vu. Et voilà, et ça y est, ça marche là. Merci, Pierre Boulet. Mais vous pourrez rembobiner ce level 1 au début, vous me direz, mais je suis sûr d'avoir vu le gros plan sur le livre. Ou alors je rêve de trucs la nuit.
Bon, voilà, en tout cas, elle m'a donné le pass de cette petite porte. Donc là, je peux y aller. Voilà, avec la carte, je vais pouvoir accéder au parking et aller chercher ma moto. Tiens, on va en profiter pour regarder la scène cinématique, écouter un peu leur voix et regarder tous tes sous-titres. Donc ça, c'est génial. On va surtout en profiter pour battre la meuf comme des gros salauds qu'on est. You can use my bike to get around town. Relic from my wild days. But it still works fine. Lara Croft, t'as côté, c'est vanité, hein. For a relic. Ah bah voilà, lui, je suis pas le seul à le dire, voyez. Bon, en fait, il parle de la moto quand il parle de la carrosserie, mais... Vous voyez, j'aime bien ces petits trucs d'humour un peu sympa. Donc elle m'a filé un gadget qui est une espèce de montre qui permet de me retrouver. Ça fait aussi téléphone portable, elle me l'expliquera un peu plus tard. Voilà, regardez comme il est classe. J'aime bien ça, les jeux où les mecs ont du style. C'est comme ça dans iPhone Filter aussi, le mec, il a vraiment la classe. Sauf que iPhone Filter, ça se prend vraiment au premier degré. Voilà, elle m'encourage en plus. Ça se prend vraiment au premier degré, alors que là, on sent qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de second degré à travers les petits flashs d'infos, donc encore une fois, comme dans des films comme Robocop. Et puis, ces fausses pubs, voilà, tous les éléments nutritionnels dont vous avez besoin. Donc voilà, je suis parti avec la moto. Alors voilà, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est mauvais, il se cogne dans le mur comme ça dès le début. Alors c'est vrai que je suis mauvais, je le reconnais volontiers. Par contre, le truc, c'est que cette moto est extrêmement poussive. Elle est très, très difficile à manier. Faut vraiment pas aller à fond. C'est pas un jeu de moto comme on peut voir des jeux de moto sur PlayStation 2 d'habitude ou sur Dreamcast. Vraiment, elle est pas maniable du tout cette moto. C'est très très poussif, elle met du temps à tourner. Faut vraiment rouler tout doucement si vous voulez arriver à faire quelque chose. Donc voilà, c'est pas moi qui suis malade, fatigué et qui sais pas jouer, c'est que vraiment elle est très très dure à manier. Alors c'est un peu dommage parce qu'on aurait bien aimé avoir peut-être un vrai jeu de moto dans le truc. En même temps, c'est déjà sympa d'avoir un jeu de moto, même s'il n'est pas terrible. Voilà, on peut se marrer avec un peu. En tout cas, on peut explorer la ville, aller à différents endroits. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Simplement, la maniabilité de la moto est vraiment pas top. Il faut le savoir. Et puis surtout, il faut en croire sur parole. Ah, regardez, voilà, j'adore cette fausse pub. In ACN, we trust. On a confiance dans ACN. Voilà, avec un site internet.com. J'ai pas essayé, tiens, ça se trouve, ils existent vraiment, les sites internet. Ils ont peut-être poussé la petite plaisanterie jusqu'à faire vraiment les sites internet des trucs. La petite famille, le drapeau américain, c'est vraiment terrible, quoi. Bon allez, on va prendre la moto et on va essayer d'aller, je sais pas où, à Biotech je crois, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Et vous voyez, regardez en bas, je suis en train de gagner des points d'expérience en moto, parce que pour reprendre mon équipement d'agent et devenir un vrai agent, un vrai chasseur de primes, il va falloir que je passe des examens. Et pour passer ces examens, j'aurai besoin de quelques points d'expérience en fait. J'ai pas le droit de les passer avant. Donc je vais rouler un petit peu en moto, histoire de me faire mes points d'expérience, et puis ensuite on verra. Vache. Vous voyez, les virages, c'est pas facile à prendre, vraiment. Ils sont assez secs et la moto a vraiment du mal à suivre souvent. Vous voyez, elle tourne bizarrement. Enfin, la maniabilité rend très très bizarre. Je vais pas me plaindre parce que vraiment, c'est pas le cœur du jeu. Ce serait un jeu de moto, ce serait catastrophique, une maniabilité pareille. Mais là, c'est pas un jeu de moto, c'est un jeu d'aventure, d'action. Enfin, ça mélange un peu plein de choses. Donc, on peut pas trop leur reprocher. C'est assez curieux parce que d'ailleurs, l'accélération est très bien dosée avec la gâchette. Par contre, le freinage, c'est redoutable. Elle pile d'un coup, regardez, tac, vous pouvez vous arrêter vraiment d'un coup. C'est pas très réaliste pour une moto. Bon, je suis peut-être en train de me perdre un peu dans la ville, donc ce que je vais faire, je vais sortir la carte, regardez. J'en profite pour vous faire voir au passage tous les trucs. J'ai des lunettes de soleil, je vais les enfiler. On le verra tout à l'heure avec les lunettes de soleil, ce sera classe. Ça, c'est sa petite fiche d'identité. Voilà le plan de la ville. Je peux zoomer et dézoomer sur le plan de la ville et je peux me déplacer. Voilà. Donc moi, normalement, il faut que j'aille où ? Il faut que j'aille là, je crois. Non, Get to Bio Valley. Est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille? Je sais plus. Si, il me semble bien. Ah, bah, je suis passé devant tout à l'heure et je l'ai même pas vu. Là, je viens de là. Get to Fortune Hill, Leila Office. Non, faut que j'aille à Leila Office, je crois. Je sais plus trop. Donc, c'est une fois à droite, une fois à gauche. Ça doit être ça. Donc, allons-y. Une fois à droite. De toute façon, c'est... Vous voyez, c'est un peu bizarre. De toute façon, ça nous fait des points de... Comment dire? Ça nous fait des petits points d'expérience en moto. C'est par là que je passe. Un peu gouré de côté là. Ah bah la route est barrée, donc on va essayer de passer par là. Non, je me souviens, c'est un cul-de-sac par là, donc ça va pas marcher non plus. En fait, vous savez, ces espèces de grands réservoirs ou de bouches d'égout à ciel ouvert qu'on voit dans les films comme Terminator 2 par exemple, la poursuite en moto dans Terminator 2, ça se passe à cet endroit là. Oh là là, mais laissez-moi passer les gars. Vous voyez, c'est pas très fluide tout ça, un peu pénible. Donc je vais repasser devant... Oh là 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 là, c'est vraiment dur. Hein. Je vais repasser devant Biotech. Non, je viens de Biotech ou pas, je sais plus. Non, j'étais à Biotech, donc il faut que j'aille à Leila Office, à mon avis. Normalement, au cours de la partie, quand il faut aller à un endroit, c'est indiqué sur la carte avec des petits points lumineux.
Mais là, il n'y a pas de point lumineux, donc enfin, je me débrouille tout seul. La fille me l'a sûrement dit dans la séquence cinématique où il fallait que j'aille, mais comme j'ai pas suivi pour passer et vous faire voir des trucs, ben je sais plus exactement où c'est. On va regarder la carte. C'est où? On dézoome. Alors c'est l'autre côté, voilà. Leila Office, donc c'est une fois à gauche et ensuite à droite. Ah, est bizarre ce maniement de la moto, vraiment. C'est pas driver, hein. Bien qu'on puisse se balader dans une ville comme on veut, ça se manie pas du tout pareil. Il fallait pas que je tourne là, si je crois bien. Prendre la prochaine à droite. Écoutez les musiques, je les trouve vraiment géniales. On dirait vraiment un film d'aventure. C'est pas une très bonne idée de prendre l'autoroute à contresens, mon garçon. C'est en train de me dire. Allez, allez, allez! Voilà, ça passe, très bien. Ça doit être là, je crois que c'est là en fait. Voilà. Merci, ouf. Ils sont bien les péages aux États-Unis, on n'a pas besoin de payer en fait. Ils vérifient juste votre identité et puis ils ouvrent. Ça serait pas mal si on avait ça sur l'autoroute du Sud quand même. Bon voilà, donc c'était bien ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il faut que j'aille à Leila Office. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite. On va regarder sur le plan. C'est derrière moi, c'est quand même curieux. Ah bah ça devait être tout de suite à droite alors. En fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, ça n'est pas indiqué sur la carte, sur le radar en haut à droite. C'est indiqué sur la grande carte. Ça, c'est un peu tordu comme truc. On va prendre à droite. Oh là là. Je voulais m'acheter un scooter, j'ai bien fait d'acheter une voiture finalement. Quand on voit comment je conduis une moto. En tout cas, surtout celle-là. Voilà, je crois que l'entrée du bureau doit être sur le côté. Oh là là, ma conduite de moto, c'est redoutable. Des fois, vraiment, elle va pas du tout où on veut. Ah voilà, je crois que c'est là. Faut que j'aille me garer sur le parking. Que je descende de ma petite moto. Il me semble que c'est par là. Ça va être au fond. Je sais plus. J'ai une place de parking réservée quelque part par là. Je ne sais plus où elle est. Ah, on n'aura pas le temps de la voir en plus. C'est la fin du level 1. Bon, enfin, en tout cas, vous avez pigé. Vraiment, c'est très très bien. Headhunter sur Dreamcast. On aime beaucoup. Ça mélange beaucoup de choses. Un peu de réflexion, un peu d'exploration, beaucoup de bagarre. Donc vraiment, on vous le recommande. Surtout qu'il ne reste plus beaucoup de jeux sur Dreamcast. Donc ça vaut le coup de se l'acheter. Voilà, c'était Marcus. Un peu fatigué aujourd'hui sur Headhunter, sur Dreamcast. Un bonjour en tout cas. Ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.